Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la présentation de ce nouvel épisode de Mad Max. Je vais y arriver, chers amis. Donc, dans cet épisode, on va faire un petit peu d'histoire. Je pense que ça nous fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Ça nous a manqué. On va donc se téléporter. J'aurais peut-être dû le faire avant. Vous voyez qu'on a déjà libéré ces deux zones-là. Ensuite, on ira dans celle-ci, je pense, une fois qu'on aura avancé un petit peu dans la quête principale. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mission des terres désolées. Qu'est-ce qu'on a comme mission actuellement? Alors, une griffa, on en a 20. Ah, ce serait peut-être intéressant d'aller faire quelque chose avec ça. Mission de l'histoire, magie noire. D'accord, donc on va aller voir directement Gutgash. Lui, il saura nous guider. Des éléments de projet, oui, ça j'ai déjà fait. J'en ai déjà fait quelques-uns, je dirais même. Alors, allons-y. Donc je rappelle qu'on a quand même pleinement terminé aussi. La forteresse de Jit. Ok, d'accord. Donc maintenant on pourra passer à celle de Gutgash. Alors, salut, je vais pas t'appeler l'ami parce que je t'aime pas. All around us, the grounds were covered in wet, salty water full of life. My people believe that this water will come back to us on our day of reckoning. And then we must be ready. Ce serait logique. Make her whole once more. Il est quand même coupé en deux, le machin. Hein. Personally, I see an acute necessity to armor this wreck up, prepping for the wave of man scum which will soon come crashing down. The war boy army, Lord Scrotus. Mais non, il est pas revenu de l'au-delà. Help me get the steel I need. Not the brown rotted sheets of wafer you find out here, but real prime steel. With it I can reward you in armor or scrap, and find plenty extra to fix up my hull. D'accord. Là, il y a un terrain d'entente. Gutgash a besoin d'acier de premier choix pour colmater sa forteresse. Il pense qu'on peut en trouver dans le tunnel de l'Est. Débloque le châssis de combat. Châssis de combat, c'est quoi ça? Donc l'est, donc ce serait par là plus ou moins, mais j'imagine qu'il faut sortir. Une coque à toute épreuve. D'accord. Eh ben écoute, on va s'y rendre. Le bossu. Que la laideur de mon visage effraie la lumière du ciel. Oh là là, faut pas que je me mette à chanter. J'ai dit que j'arrêtais de chanter, chers amis. Alors. Baisse de framerate, 30%. C'est là? T'es sérieux? Eh ben, on va conduire jusque là, vu que c'est la mission. C'est parti. Hop. Ça a pété. Et en plus, il est dégueulasse, le garçon. Eh ben. Puis au pire, si on s'approche, imaginons qu'on s'approche de Griffa à un moment ou à un autre. Eux, c'était pas Griffa. Louange, avec nous, c'est comme ça. Tout à fait. T'as tout compris, Thierry. Oula, oui bah là on en a pas eu. Alors moi qui veux gagner du temps, je devrais peut-être arrêter hein. Pourquoi il y a un truc vert là-bas? D'accord. Fumée au loin, mission de l'histoire. Oh. Ah bah c'était peut-être ça la mission de l'histoire, bon bah. Merde, donc on fait pas de la mission d'histoire là. Dommage. Bon bah tant pis, on a commencé ça, on va le finir, chers amis, je pense. Hein. Puis bon, un châssis de combat.
Ce qui me fait plus chier, c'est qu'il y a plein de trucs à débloquer avec l'histoire et que, par exemple, Jump Bucket et ses outils. Hop, le pilote est mort. J'ai pas eu de quoi booster au dernier moment, c'est dommage. Hop. Alors, salut Jit, nit. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Y'a pas de klaxon, c'est dommage. Dans les embouteillages, c'est cool d'avoir des klaxons. Ah, il a survécu ce véhicule. Enfin bon, il roulera pas à mon avis. Hein. Tant qu'il monte dessus, je serai déjà parti. Alors. Au cas où, je mets quand même le grappin. Ah, encore un tremplin. Bon, il va pas dans la bonne direction, mais écoute. Ah, mais ça veut pas. Hein. Ah, elle veut pas, hein. Elle aime pas le sable. Allez, bourre. Bourre. Hop, on a retrouvé l'asphalte. Parfait. Enfin, l'asphalte, tout est relatif. Pourquoi il a dit ça? C'est bien ce qu'il me semblait. Non? Oui, non? Ah, je croyais pourtant. J'aurais cru. J'aurais cru qu'elle allait arriver. C'est dommage. J'ai raté la route. Salut mec! La forme! Alors, c'est par où? We're looking for healthy steel. Still shiny. What do you know about the Eastern Tunnels? I know them. Burrows of the old steel serpents. There's fine steel there. Oh yes, yes. Les yeux rouges surveillent toujours. Red eyes always watching. Just show me where it is. Alors. On y est. Ouvrez la porte depuis l'intérieur, donc faut trouver l'entrée. Oh, tellement caché cette entrée. Stay here. Ferraille 11. Ferraille 10. Should be over here. Pas d'œil rouge. Intéressant. Pourquoi ouvrir en premier? Aucune idée. Un. Crac. Conduisez dans les tunnels. Cahier de la route niveau 10. On atteint le niveau max, je crois. Pourquoi pas? Quelle discrétion. Alors. Tread carefully. There are buzzards in this hole. J'ai pas trop compris ce qu'il m'a dit. Cependant là, il y a de la ferraille. I'll fix her
up in the meantime, Saint. Alors, moi je cherche la ferraille avant tout, hein, mais apparemment elle est difficile à trouver. Hein. Alors. Hop là, ça c'est fait. Ok. Garde Bay Bridge, d'accord. Hop. Deuxième couche, ce qui en fait 4/11. Alors, j'en vois un petit peu plus devant. Ah non, ça n'en était pas. Si, ça en était. Raté, 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 raté. Raté. Raté aussi. Bon. Bah alors ça c'était du gros combat difficile. Je regarde si... Ah je suis con, il y a de la lumière normalement. Hop d'accord, ils étaient planqués derrière là. Pourquoi pas. Alors là il y a une espèce de porte mais elle va pas marcher à tous les coups. Ce que je recherche moi c'est la ferraille chers amis mais... J'ai peur qu'elle ne soit assez complexe à trouver. Bon, bah tant pis. Progressons. Alors. D'accord, à ouvrir comme ça. Pourquoi pas. Crac. Raté. Et tu meurs. Et tu me rends mon couteau. Merci. Chum, on y va. There's the steel beast. Still on rise. Where does this tunnel lead? Oh, out. Out into the great white. Up high on the cliffs. And then... Plaf, une chute tout en bas. Plummeting downwards of cubic proportions. Alors. Right. I'll use the car to push it out. Oui, sauf que je veux la ferraille, moi. J'en suis qu'à 7, il m'en reste 4. Encore que. Oui non, ça mène peut-être que de la ferraille de toute manière. Ah, j'aime pas ne pas finir ce que j'entreprends. Bon, en espérant qu'il soit à la suite. Le câble pourrait pas l'attirer, le tirer.
keeps moving. Steady pedal, does it? Hop là. Attends, il doit y avoir sûrement quelque chose là-dedans. Attends, attends. Sois pas si pressé. Tiens! Hop, 8! Tu vois, chum, faut pas être trop pressé. Non, je veux pas aller là. Hop, les. Alors. Vérifie bien qu'il n'y a rien autour. Crac. Hop. J'ai vu de la ferraille juste devant. Il y en a même au-dessus. Alors. Crac. Oh. Putain. 9. Oh non, il va m'en manquer un. Il va m'en manquer un, chers amis. Je le sens. Oh putain. C'est injuste. C'est injuste, il m'en manque un seul. J'ai fait tout comme il faut, sauf un. Oh putain. Non. Ça me fait mal. Attendez. Aïe. Hop. Sauf si... Ah ah, attendez. Y'a rien. Pas passer par là, genre passer quelque chose. Oh putain. J'y ai presque cru l'espace d'un instant. Oh non, 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 il m'en restera qu'une. Oh merde, Krodik. This stank. He is well known for his cruelty. He wallows. Ah oui, non, attends, attends, faudra que je... Hop. More than filthy savage red eyes. Y'a un problème, les mecs. Et il m'envoie des cailloux en plus. Y'a un problème? Dégage! Tu veux te la mettre? Bah viens! Eh bah non! C'est bête, c'est dommage! Tu ne fais pas le poids. Allez. Sauf si c'est à l'intérieur. Non. Merde, il m'en reste un. Ou alors sur l'extrémité peut-être. Peut-être sur l'extrémité. C'est là! Wouhou! Non, non, on la pousse pas. On récupère ça. Youhou! On a eu les 11. Allez, prends, prends la ferraille. Wouhou! On a du talent, chers amis. Je vous le dis. Alors, j'ai fait une mise à jour d'Nvidia et apparemment les baisses de framerate sont toujours présentes. Hein. C'est vraiment, vraiment dommage.
Tayo! Alors techniquement, il n'aurait pas dépassé le sable. Hein. Il se serait arrêté dans le sable. Il se serait planté dans le sable, même, techniquement. Mais bon, c'est pas grave. Oublions-le. Ok. Marquez le site. Pouf! Le moteur Tripson de la Manopus s'est avéré très utile pour récupérer l'acier dont Gutgash avait besoin. Nouvelles améliorations de protection débloquées. Châssis de combat. Châssis de combat. Ouh. Ah, il a vache la défense, regardez ce qu'elle gagne. Ici, je mets 0 protection. Regardez l'accélération qu'on se tape et la maniabilité qu'on se tape. Oh la vache. Bon, elle coûte cher de toute façon, donc c'est pas ça pour tout de suite. Par contre, ça, c'est pour tout de suite. On a le meilleur vestige, chers amis. Hop. Donc nouvelle mission, très désolé, des prêts proches de Gutgash. Eh bah écoutez, on va se téléporter dessus, je pense. Ouais. Hop, Gutgash. Et on va aller voir ce qu'il a à nous dire, et puis on fera de l'histoire principale dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode. Je pense qu'on va gérer ça comme ça. Et cette fois, on se trompera pas, on fera vraiment du... Alors, bonjour. Killer, the steel you brought has been very useful. I could sure use your help again. D'accord. My people believe that the big wet shall once again splash these barren shores. I need them to keep believing. In belief, there's hope. Okay. But they need an idol. Relic of the water gods. And I think I found it. What is it? Qu'est-ce qu'il appelle une relique? A critter of the ocean. It will give them the hope that they need. And their hope. Oh, il se bat pour l'espoir, mais il envoie des filles et leurs gamines en tôle. Use your long lookers. Gutgash a récupéré une idole marine qui devrait remonter le moral de ses troupes. Elle se trouve dans le mur du port au nord. Grosse quantité de ferraille jetée à l'inventaire, ça peut être intéressant. Alors, on se dépêche, elles sont toujours là, c'est parfait. Alors, conduisez jusqu'au port. Le port est ici. Ça me fait passer par des endroits que j'aime pas encore, que j'ai pas encore exploré. Du coup, bah non, on va aller directement explorer ça. Et on verra bien ensuite. Je repousse, chers amis, je suis désolé, mais ce jeu, je l'adore. Hop. Voilà. Vous n'avez rien à faire là. Oh putain, ils ont survécu. Qui prouve à quel point il me manque de l'attaque. Hein. Alors. Toi, je t'ai eu. Je pensais qu'ils allaient me suivre, bizarrement. Mais non! Alors. Itinéraire de convoi découvert. J'aime comment il a dit ça. Aïe. C'est marrant, regardez, elle est sur un trajet de route en fait. Ouh, le snipe.
peux me toucher normalement de là. Et je peux pas monter te chercher ? Dégage. Ah. Il est monté là, mais il est jamais redescendu, le pauvre garçon. Fallait l'aider, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et de 1. Et de 2. Et de 3. Parfait. Santé Max, oui j'ai pas fait attention. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une relique historique et une ferraille. La relique historique est ici. Et la ferraille il me semble est juste à droite. Ouh qu'il est beau, on dirait David Tennant. C'est sympa de te voir hier Frangin. Hier soir Frangin, c'était la photo dont je te parlais. Ronnie habillé en zombie, ça passait très bien il y a 3 ans. Si quelqu'un entrait comme ça dans un bar aujourd'hui, il se ferait buter aussi sec. Il y a tellement de virus, de maladies, de merde que les gens croient vraiment que les zombies débarquent. On essaie de se voir à bientôt. Je vois pas où est-ce qu'est le zombie, mais enfin bon, pourquoi pas. Hop, décharge complète. 1, 2, et 3. What? C'est marrant, enfin, comparé à l'univers de Mad Max, je m'attendais à avoir beaucoup plus de femmes, en fait. Et je suis assez surpris de voir qu'il y en a en fait pratiquement aucune. Oh mince. Ressort par là. Là t'as du kérosène. Alors on remonte. Avec ce doux kérosène. C'est quoi là? Des munitions. Oh mais prends jusqu'au bout. J'imagine qu'il va falloir utiliser les deux, je sais pas pourquoi, je le sens tellement bien ce truc là. Ah oui non, faire le plein ça se fait ici, ce qui est incompréhensible. Voilà. Bon ça devrait suffire normalement. Allez monte. Hop! C'est beau quand même. Hein. Regardez ça. What? Cadavanaug. D'accord, Cadavano. Tu te répètes un peu, mon très cher Max. Alors. Où ça? Hop, j'en ai un truc de plus. Ils sont passés derrière, ils sont là. La vache, oui, ils sont nombreux. Tout en taille solide. Hop, parfait. Est-ce que j'ai tout eu? Oh, y a un paquet de trucs à faire dans le coin. Hein. Il semblerait. Ah non, celui-là, je l'ai pas eu. Hop, c'est vrai que c'est pas comme si je le voyais. Hein. Itinéraire de convoi, d'accord, mais c'est pas le convoi que j'ai découvert. C'est un campement normalement. Camp de Caïd, bon bah c'est pas grave. Bon, bah y'a du boulot. Hop, on redescend. Donc là c'est une espèce de volcan en fait. Ça a l'air assez stylé hein, camp de Caïd en plus. Je pense qu'on va bien s'éclater là-dedans.
Alors. Parfait. Hop. La voiture est là. Bon. Alors, plusieurs choix s'offrent à nous, chers amis. Hop. Et je pense qu'on va opter pour le plus fun, avant de se laisser. Autrement dit... pour... le convoi. Où c'est un snipe ? Pas vu. Enfin attention, bon c'est pas grave. Le convoi d'abord. Le convoi d'abord. Tu sors de n'importe où toi. Boobs, t'apprendras. J'y ai pensé depuis plusieurs épisodes. S'il crache du feu à un endroit, c'est qu'il doit y avoir du rouge. S'il y a du rouge, il y a du boulot pour nous. Hop les. Dégage. Aïe. Désolé. Hop. Hop. Aïe. Non ! Non ! Putain, non ! Non, je l'avais, c'est faux ! Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Putain, la musique s'arrête, c'est pas bon. Allez ! Allez ! Chut, tais-toi ! Tu devrais être plus rapide que ça depuis le temps que tu la répares. Oh putain, je pense qu'on les a paumés. Ah, s'ils ont tous repop, ça va être casse-couille. J'ai pas su les arrêter comme il fallait. Et j'ai l'impression... non, c'est bon. Oh putain, il y en a déjà plusieurs quand même. Et est-ce qu'il a récupéré tous ses points de vie, l'autre ? Oui, j'ai l'impression. Bon, on va s'occuper que de lui alors. Aïe. Mais non. Entièrement faux. Non, c'est faux. Mais non, mais... putain, je booste. Ah, c'est casse-couille. Ah, puis je peux pas la réparer. Bon, bah c'est un échec, chers amis. Alors, on va se rentrer chez Jit pour récupérer un maximum de... ferraille la prochaine fois. Et on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de l'Apéro. On peut retrouver les liens dans la manière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver dans le descriptif de l'épisode des liens à mon partenaire gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous laisse là pour cet épisode. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. A demain pour un épisode de Mad Max.